Bon dia, se sent bé? Bé, doncs anem a proseguir amb el col·loqui internacional Walter Benjamin, amb aquesta jornada d'avui divendres. El que farem és, com ja us van comentar ahir, hi ha hagut alguns canvis pel que fa a la programació del matí, perquè hi ha hagut dues persones que no han pogut venir per qüestions personals. I llavors el que farem ara és la conferència del professor Emmanuel Faye. Després farem una petita pausa i tot seguit farem un debat entre Emmanuel Faye, Enzo Traverso i Maxi Fuentes al voltant del que seria l'evolució de la figura de l'intel·lectual en el segle XX, una mica el que és la temàtica d'aquest col·loqui. Bé, ara el que faré doncs, és unes breus paraules sobre el ponent que tenim avui aquí amb nosaltres. Emmanuel Faye és doctor per la Universitat de la Sorbona, el 1994. També està habilitat per dirigir recerques a la Universitat de París Oest Nanterre. També és doctor honoris causa de l'Acadèmia Brasileira de Filosofia, el 2011, i actualment és catedràtic de Filosofia Moderna i Contemporània a la Universitat de Rouen, a la Normandia. Ha publicat al voltant d'una dotzena d'obres, entre les quals destaquen Filosofia i perfecció de l'home, del Renaixement a Descartes, el 1998, i després una de les obres per la qual està aquí és Heidegger, la introducció al dinasisme dans la filosofia, autor de Seminaire inédit de 1933-1935, que és una obra de 2005, que ha estat traduïda en un recorregut internacional important, rellevant, en 6 llengües, i actualment, l'any passat, va publicar Arendt, Heidegger, Exterminació nazi i destrucció de la pensée, que està publicat, com he dit abans, el 2016. Bé, doncs, i ara el que farà el professor Emmanuel Faye és una conferència, en principi el títol és de la revolució conservadora a la postmodernitat, Heidegger i Arendt. Merci beaucoup pour être ici avec nous. Oui. Merci beaucoup, Jordi Font, de votre invitation et merci à l'Université de Gérone, au Musée de l'Exil et au Mémorial Walter Benjamin. Je suis extrêmement ému de revenir discuter des questions qui touchent à ma recherche. Quand mon livre sur Heidegger était paru chez ACAL en 2009, il y avait eu un grand débat à Barcelone à l'invitation de la municipalité et de Arnau Pons, une discussion avec Manuel Carbonell et Juan Ramon Resina, qui avait ouvert cette réception. Mais c'est la première fois que je viens discuter avec vous, donc non seulement de la question Heidegger, qui maintenant est une question bien quand même connue, balisée et surtout modifiée depuis 2014 par l'apparition de 4 volumes de Cahiers Noirs qui révèlent un antisémitisme radical de Heidegger au moment même de la nuit de cristal, des pogroms anti-juifs et au moment de l'extermination, de l'Holocauste. Alors évidemment, la question Arendt est tout à fait différente. Comme mon intervention sera suivie tout à l'heure d'un débat général, j'ai pensé commencer par présenter les enjeux de ce que je voudrais voir avec vous. J'ai mis comme titre un titre trop ambitieux, puisqu'il s'agissait de parler du passage de la révolution conservatrice à la postmodernité. Rien que ce projet serait en lui-même le projet d'un livre. Mais on peut dire deux ou trois choses. La révolution conservatrice, Enzo Traverso nous en a parlé déjà hier soir, c'est ce mouvement politico-intellectuel de la droite extrême allemande dans les années 20. Le précurseur, c'est Spengler. L'auteur clé, celui qui théorise l'oxymore révolution conservatrice,
C'est Arthur Möller von den Brück qui publie en 1923 Das Dritte Reich, le Troisième Reich, et qui donc pose ce paradigme du Reich. Alors ce qui est important, c'est que le projet de Möller von den Brück, c'est de répondre à la Révolution française et à la Révolution russe. Möller von den Brück est le lecteur et le traducteur de l'œuvre de Dostoïevski. Hein, il a un rapport à la Russie très, très, très fort. Répondre par une révolution allemande qui serait une révolution de droite, qui serait une révolution de ce que Möller appelle le peuple jeune, le peuple allemand, mais qui capterait quelque chose du potentiel révolutionnaire de la gauche. Tel est le souhait. Et donc, on trouve chez Möller certains traits qui annoncent en partie le propos de Arendt. Par exemple, dans le Troisième Reich, il y a des propos très positifs sur les conseils ouvriers. Möller réhabilite certaines formes de marxistes allemands pour mieux attaquer les libéraux. Möller n'est pas du tout marxiste, mais il tente de capter quelque chose de ce potentiel révolutionnaire pour le faire passer de l'autre côté, vers une révolution qui serait une révolution, non pas de classe, mais une révolution folkish, une révolution qui aurait un fondement ethnique et racial à peine voilé. Hein. Donc voilà, la révolution conservatrice, c'est l'extrême droite allemande qui cherche à capter le potentiel révolutionnaire de la gauche pour construire quelque chose qui donnera finalement le national-socialisme. Alors Möller meurt trop tôt pour vraiment se prononcer sur le nazisme. Il meurt en 25, il se suicide dans un moment de dépression. Mais évidemment, l'expression Troisième Reich est reprise par les nationaux-socialistes. Alors vous me direz, quel est le rapport entre ce moment et la postmodernité ? La postmodernité, c'est, pourrait-on dire, tout l'inverse. Vous savez que le mot postmoderne, c'est un terme qui naît surtout chez les architectes et qui a été introduit dans le champ philosophique, notamment par Lyotard. Mais on peut le faire remonter plus haut dans son concept. Hannah Arendt elle-même n'utilise pas ce terme encore, bien sûr, mais elle distingue dans Conditions de l'homme moderne les temps modernes qui s'arrêteraient en 1945. Avec une césure, une coupure, et l'époque moderne qui correspond assez bien, qui vient après les temps modernes et qui déjà correspond assez bien à ce que Lyotard et d'autres appelleront la postmodernité. Donc la postmodernité, c'est un courant de pensée philosophico-politique qui se développe surtout en France avec Derrida, Nancy, Badiou et d'autres, et qui est explicitement de gauche, mais qui va en quelque sorte procéder à l'inverse de ce que faisait la révolution conservatrice allemande, c'est-à-dire à un moment où la référence à Marx, à tort ou à raison, est dévaluée, démonétisée par l'effondrement de l'Empire soviétique, eh bien, la gauche, notamment en France, mais pas seulement, va chercher d'autres références. Et assez tragiquement, je pense, mais on en discutera, une partie de nos philosophes vont chercher une source d'inspiration, un potentiel critique chez des auteurs de l'extrême droite allemande, comme Carl Schmitt, comme Martin Heidegger, comme si c'était chez eux que l'on pouvait trouver les éléments d'une critique de l'Occident, du libéralisme, etc., des Lumières, que la gauche ne serait plus en mesure de porter par elle-même. Donc on a l'effet inverse. Comme si le potentiel révolutionnaire était passé de la gauche à l'extrême droite, et que désormais, les arguments critiques, il fallait les chercher non plus dans Marx, mais ou même dans les marxistes utopique au sens positif du mot dont parlait Enzo Traverso hier, comme Ernst Bloch ou d'autres, ou des marxistes dissidents en France comme Henri Lefebvre, qui sont, je pense, des grandes figures.
qui ont su justement à un moment s'opposer à Heidegger. Il y a un livre d'Henri Lefebvre d'après-guerre sur l'existentialisme qui est très lucide. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Donc ces postmodernes, on pense à Politique de l'amitié, Force de loi, qui sont un peu des textes paradigmatiques de Jacques Derrida à cet égard, qui ont beaucoup fait pour acclimater Schmitt en France. Cette gauche postmoderne cherche ses arguments chez des auteurs de l'extrême droite. Alors bien entendu, aucun de ces postmodernes français n'a quoi que ce soit de nazi, c'est bien clair. Hein. De même que, inversement, Möller n'avait en fait rien de marxiste. Donc ce mouvement de transfuge, ce mouvement de captation de l'autre extrême, a quelque chose de problématique qu'il faut interroger. Et venons-en maintenant à Arendt. Arendt a une position centrale dans cette double configuration. Elle est vraiment au cœur du dispositif. Et il me semble que c'est la raison pour laquelle elle est devenue aujourd'hui une sorte de référence, d'icône pour la théorie politique, pour les cultural studies, pour tout un ensemble de discours qui sont tout à fait dominants dans nos sociétés. Alors pourquoi Arendt ? Eh bien, Arendt passe pour... Alors, tout d'abord, je suis conscient que discuter, comme je le fais, de manière assez critique de la pensée de Hannah Arendt peut étonner, dans la mesure où elle est vraiment une sorte de référence indiscutée. Mais je crois que c'est là qu'il faut commencer à faire porter le débat. Donc c'est ça que je voudrais présenter comme enjeu. Hannah Arendt est souvent présentée comme un auteur de la gauche, comme une ressource pour la démocratie, alors même que si l'on regarde tout simplement ses textes publiés, là il n'y a rien de... Eh bien, l'on voit que son paradigme de la cité, de la police, du politique, est explicitement aristocratique, inégalitaire, d'une certaine manière déshumanisant, dans la mesure où elle fait passer dans l'humanité même, elle le dit, la ligne de partage entre l'homme et l'animal. Hein, donc l'animal laborans n'est pas à proprement parler un homme. Il y a un partage, j'en parlerai tout à l'heure, entre Zoé et Bios, qu'elle reprend à Heidegger. Bon, il y a vraiment quelque chose là qui est très très explicite. Il y a chez elle des thèses extrêmement précises de critique de ce qu'elle appelle nos sociétés de masse égalitaire. Il y a une critique du concept d'égalité. Il y a l'affirmation explicite que les hommes sont naturellement inégaux. Hein. Il y a des positions sur les droits civiques aux États-Unis qui sont extrêmement dures. Je ne sais pas s'il est traduit en castillan ou en catalan, mais il y a un livre de Catherine Jaynes, Hannah Arendt and the Negro Question, paru en 2014, qui montre bien que les positions au début des années 60 d'Arendt sont à peu près les mêmes que celles des racistes blancs. Hein. C'est un livre que j'ai essayé de faire traduire en France. Ce n'est même pas possible, si vous voulez, ce n'est pas pensable. Et pourtant, c'est un livre très modéré dans ses analyses. Hein. Catherine Jaynes ne dit pas que Arendt est raciste, mais elle se demande pourquoi est-ce qu'elle prend des positions qui, finalement, finissent par coïncider. Hein, voilà. Donc, voilà, il y a beaucoup de questions préoccupantes. Or, si vous voulez, Arendt... Pourquoi est-ce qu'étant donné ses positions politiques, elle peut apparaître comme un auteur pour la gauche? C'est ça la question. Et encore une fois, si vous lisez les lettres à Scholem, Arendt dit bien « je n'ai jamais été de gauche, je n'ai jamais été marxiste », c'est tout à fait clair. Hein. Quand Scholem dit qu'elle vient de la gauche allemande, aussitôt elle corrige. Je pense qu'une des clés pour comprendre ce paradoxe de la réception, c'est que Arendt, si vous voulez, dans son habitus personnel, dans son existence, et clairement dans un contexte des libéraux au sens américain, et des démocrates, quand elle est à New York, ce sont non pas les républicains, mais les démocrates new-yorkais qu'elle voit, c'est son contexte. Et pourtant, en même temps, on la voit participer
à l'édition du Festschrift pour Eric Voegelin, Voegelin qui est un auteur conservateur s'il en est, et ne pas trouver problème à publier dans ce Festschrift un texte de Armin Mohler. Armin Mohler, c'est ce penseur suisse qui est vraiment le mentor de la reconstruction de la nouvelle droite en Europe après 1945. Donc, rien que ce fait devrait, je pense, nous faire nous interroger. Si l'on est solidaire politiquement de Voegelin et que l'on publie Armin Mohler, comment peut-on être de gauche? C'est quand même préoccupant. Voegelin, c'est quelqu'un, je suis allé voir à la Hoover Institution, à Stanford, ses archives. C'est quelqu'un qui écrit des lettres tout à fait enthousiaste à Schmitt dans les années 30 et encore après la guerre. C'est quelqu'un qui a toute une correspondance avec Kissinger sur le Vietnam qui montre qu'il a les positions les plus dures de la droite conservatrice américaine. Comment est-ce que Arendt, qui a eu sur certains points des positions importantes sur le droit à la désobéissance civile, sur le Vietnam, peut-elle se mettre du côté de Voegelin? Alors c'est peut-être une stratégie contre Léo Strauss, mais vous voyez, c'est un problème. Alors il me semble que Arendt, si vous voulez, il y a une sorte de partage entre donc sa manière d'exister et son paradigme politique, ce dont il se nourrit. La clé se trouve peut-être dans un article qu'elle publie en 1932 sur un des auteurs du romantisme politique, Friedrich von Gens. Et là, je dois dire un petit mot là-dessus. Je pars un peu de cela dans mon livre Arendt et Heidegger, qui est paru l'an dernier, qui n'est pas encore traduit. En effet, Arendt se nourrit, quand elle est à Heidelberg, de la lecture des romantiques politiques, Adam Müller, Brentano, Friedrich von Gens. Friedrich von Gens, c'est un proche de Rahel Van Hagen. Rahel Van Hagen, c'est femme des Lumières, très proche de Goethe, admiratrice de Goethe, qui tient jusqu'en 1806 un grand salon littéraire à Berlin, jusqu'au moment, en 1806, par réaction contre l'occupation napoléonienne en Allemagne, tout un ensemble d'écrivains, les romantiques politiques, vont regrouper dans une position nationaliste, ils vont contribuer à la création de l'unité de l'Allemagne nouvelle, et ils vont boycotter les salons. Rahel est obligé de fermer son salon et créer une Christliche Gesellschaft qui a pour slogan « Pas de philistins, pas de français, pas de femmes ni de juifs ». Donc des banquets, si vous voulez, très Männerbund, qui sont tout à fait le contraire du salon de l'Aufklärung, tenu par une femme à la manière française, à la manière de Goethe, etc. Eh bien, Friedrich von Gens devient le secrétaire de Metternich, donc il appuie la politique la plus conservatrice en Europe, et Arendt a une analyse très fine. Elle dit que Gens est libéral dans son existence, et conservateur dans sa pensée. Et elle analyse ça très finement. Et je pense que c'est presque une forme d'autoportrait, et qu'il faut tenir compte de ça. Alors voilà pour vous dire que ma critique de Arendt n'est pas du tout la même que celle de Heidegger. Heidegger, je pense qu'on ne peut rien différencier. L'homme, l'auteur, le penseur, l'œuvre, le corpus forment un tout. Et on ne peut pas critiquer l'œuvre de Heidegger sans critiquer aussi la personne et inversement. Parce que Heidegger, c'est quelqu'un qui prend des mesures très dures lorsqu'il est recteur. Il fait interdire l'attribution de bourses aux étudiants juifs et marxistes. Il crée une chaire de biologie et d'hygiène raciale. Il siège à partir de 1934 avec Schmitt, Rosenberg et Streicher dans l'Académie du droit allemand qui prépare les lois de Nuremberg et qui est active jusqu'en 1941. Donc c'est vraiment un nazi par son engagement, par sa pensée, on le verra, et nous verrons jusqu'où cela va. Arendt, rien de tel, bien sûr. Arendt est par sa trajectoire, on le sait mieux que quiconque ici, du côté des exilés et des victimes. Elle est emprisonnée 8 jours par la Gestapo et elle fuit l'Allemagne. Elle est internée 3 semaines dans le camp de Gurs.
Et il a, heureusement qu'il y a eu un des rares, des trop rares préfets français qui, au moment de la débâcle, a ouvert les portes du camp. Hein. Donc elle a pu retrouver Blücher et partir par cette région même jusqu'à Lisbonne. Elle a eu cette chance que n'a pas eu Benjamin. Donc évidemment, c'est une femme courageuse, énergique, exemplaire sur sa trajectoire. Il n'y a pas de critique de ma part à formuler, ni sur la personne d'Arène, ni sur son itinéraire. Au contraire, je crois que ce passage de l'Allemagne aux États-Unis a quelque chose de passionnant dans notre perspective d'aujourd'hui. Et en même temps, après avoir écrit des textes très forts, il y a un texte de 39 inachevé, posthume, sur l'antisémitisme, qui est une très bonne analyse de l'antisémitisme, qu'elle fait remonter justement au romantisme politique, hein, très clairement, à Brentano, etc. Et après avoir écrit en 1946 un article très critique sur Etretan, sur Heidegger, elle souligne la déshumanisation de l'homme dans le Dasein heideggerien. Voilà que dans la deuxième moitié des années 40, Arendt bascule et devient, à partir des années 50, celle qui va vraiment contribuer le plus à la diffusion, à la légitimation planétaire de Martin Heidegger. Elle sera aux États-Unis vraiment son attaché de presse, on peut dire, son agent, elle le fait traduire, elle relie les traductions, elle l'enseigne. Et chaque fois que l'amorce d'une critique politique se pointe, elle intervient. Elle va jusqu'à écrire directement à Elfriede Heidegger dans les années 60 pour préparer des contre-feux aux critiques qui se formulent. Hein. Donc Arendt devient vraiment l'appui majeur de Heidegger. Et pas seulement de Heidegger. Si vous lisez Les origines du totalitarisme, on la voit parler très favorablement de Carl Schmitt. Un auteur, dit-il, qu'il faut continuer à lire elle est vraiment le début d'une réception de Schmitt positive. Hein. Et d'ailleurs, je parle un peu de ça dans mon livre. J'ai regardé la correspondance entre Carl Schmitt et Ernst Forstorff, un autre juriste nazi. Ils reçoivent très bien le livre d'Arendt. Hein. Pour eux, c'est de quelque manière pain béni, ça, on le reverra. Donc Arendt a beaucoup contribué justement à relégitimer après 1945 Heidegger, Schmitt. Hein, et elle reste toujours cette figure que les Heideggeriens aujourd'hui, quand ils sont face à trop de critiques, brandissent pour dire... Heidegger peut-être, mais il y a Arendt, donc on ne peut pas. Vous voyez, il y a cette légitimation par la réception qui, évidemment, est à discuter. Alors, je laisse pour l'instant la question à Arendt, je reviens à Heidegger. Hein. Et à Schmitt aussi, peut-être. Autre enjeu que je voudrais vous soumettre hein, pour qu'on en discute. Pourquoi peut-il être problématique de convoquer aujourd'hui des auteurs comme Heidegger et Schmitt plutôt que Marx ? Ou peut-être avec Marx, mais en général, c'est que ce soit avec ou plutôt, quels sont les effets induits ? Alors là, je vais être très schématique, peut-être trop, juste pour durcir les enjeux, montrer en quoi ça peut faire problème. Vous avez des auteurs comme Chantal Mouffe qui préconisent aujourd'hui de revenir à une politique plus agonistique, qui ne soit pas celle simplement de la discussion, de la délibération à la manière de Habermas. Et pour elle, Schmitt est celui qui nous donne les clés d'une telle retour à une politique de la confrontation et du conflit, où finalement la politique se construit dans le rapport à l'ennemi. Peut-être ne voit-elle pas suffisamment tout ce que ça peut impliquer. Il faut rappeler que le fameux livre de Schmitt, Le concept du politique, n'a pas connu deux, mais trois éditions. En 62, Schmitt réédite l'édition de 27, et il ne dit plus mot de l'édition de 1933. L'édition de 1933 souligne vraiment la dimension de guerre ethnique dans le rapport ami-ennemi. Montre bien que pour Schmitt,
L'ennemi, c'est l'ennemi existentiel. Et si l'on pose l'ennemi comme ennemi existentiel, ça signifie que le conflit va aller jusqu'à toucher au cœur de son existence, c'est-à-dire jusqu'à sa possible suppression, jusqu'à son annihilation. Hein. Donc il y a une dimension potentiellement exterminatrice dans la distinction ami-ennemi, telle que Schmitt la pense véritablement, telle qu'il l'expose en 1933. Hein. Or, c'est cette version du concept du politique que Schmitt envoie à Heidegger en août 1933. Heidegger lui répond par une lettre fameuse. Et c'est cette version que possède, que lit, qu'annote Hannah Arendt. Hein, si vous allez en ligne sur Internet, dans la Hannah Arendt Library du Bard College, vous trouvez l'édition de 1933 annotée par Arendt, édition qui n'est toujours pas rééditée, même en allemand. Donc voilà le problème. La différenciation, la discrimination ami-ennemi dans la pensée de Schmitt est une visée qui peut conduire à une forme de Vernichtung, d'extermination. Et même dans les années 20, on voit Heidegger qui parle de Vernichtung, d'extermination, d'annihilation de l'hétérogène, dans sa conception homogène et au fond ethnique et völkisch de ce qu'il appelle la démocratie, dont on peut se demander si le nom est encore pertinent. Hein. Eh bien, je me demande, je vais durcir le trait, mais ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela avec Maduro, c'est-à-dire on voit avec une consternation que face à une contestation qui est démocratique, on peut y adhérer ou non, mais c'est une constatation. On voit dans la rue des manifestants, eh bien, on voit des milices qui emploient des méthodes qui étaient celles, jadis, dans les dictatures d'extrême droite. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement des policiers, il y a des motos qui arrivent avec des hommes qui tirent, etc. Il y a des morts, il y a des arrestations qui ont été contestées par la présidente même de la Cour constitutionnelle, qui était ensuite démise, etc. Donc, comment se fait-il que, dans un contexte d'extrême-gauche, on trouve une pratique du politique qui n'est plus du tout dans la délibération, qui est dans la suppression de l'ennemi, en quelque sorte, hein, qui le pense comme suffisamment légitime pour avoir de telles pratiques. Il me semble que cette dérive n'est pas seulement une dérive pragmatique d'une politique qui est acculée par une situation de rue difficile, elle est liée à un mode de pensée qui est inévitable si la gauche se donne des points de repère chez des auteurs comme Schmitt ou Heidegger. On arrive forcément dans une traduction de l'intentionnalité dans les actes. Alors, c'est pour ça qu'il y a une certaine mélancolie en tout cas de la gauche française, parce que si on ne suit pas cette voie, où se tourner, le pouvoir en France aujourd'hui, le président Macron, si vous voulez, souvent dans les médias, on rappelle qu'il a été tout jeune le secrétaire de Paul Ricoeur pour la publication de La mémoire, l'histoire, l'oubli, et s'est présenté comme des sortes de lettres de noblesse philosophique, démocratique, etc. Là aussi, on rencontre quand même un problème, hein, un problème qui commence à être connu, c'est que l'itinéraire même du Ricoeur est un itinéraire qui nous touche aujourd'hui, si on veut parler des intellectuels compromis. Hein. Ricoeur, c'est un philosophe qui, tout jeune, dans les années 20, avec André Philippe, milite dans des cercles qui se donnent comme théoricien le Belge Henri Demant. Donc c'est un socialisme planiste qui, chez Henri Demant, l'a conduit à la collaboration, à une condamnation à mort en 1945 pour fait de collaboration, etc. Bon, je ne dis pas que Ricoeur serait allé jusque-là où est allé Henri Demant, mais il est dans cette trajectoire. Et en 1939, il publie un article qui fustige la tiédeur des démocraties et qui fait une sorte d'éloge troublant du discours que Hitler prononce le 30 janvier 1939, le fameux discours où Hitler dit que si une nouvelle guerre mondiale se produit, ce sera l'extermination de la race juive en Europe. Et Ricoeur est touché par le pathos de ce discours et dit la belle dureté, j'allais dire la belle pureté du discours de Hitler.
Donc voilà un élément évidemment qui frappe. Et en août 39, juste avant la déclaration de guerre, il part un mois travailler l'allemand à l'université de Munich. Et on le retrouve ensuite prisonnier de guerre, militant dans les cercles pétains et publiant un texte propagande et culture dans une revue de prisonniers vichistes, l'Unité française, où il explique qu'il faut considérer une pyramide où la culture serait pour la pointe et la propagande pour les autres. Il loue l'esprit colonial, il revendique un tissu noué de chef. Enfin, il est vraiment dans un vichisme tout à fait revendiqué, hein, à tel point qu'il est à ce point compromis qu'en 1945, il ne vient pas reprendre l'hippocagne qu'il attendait à Marseille. André Philippe, son mentor, voyant qu'il est trop compromis, a l'idée tout à fait, qui a très bien réussi finalement, de le mettre pendant 3 ans au Chambon-sur-Lignon, ce collège héroïque où un pasteur de Trocmé avait sauvé de nombreux enfants juifs. Hein. Et donc Corricœur revient sur la scène en 1948, tout est oublié, et ce moment n'est complètement sort de la scène publique jusqu'à ce qu'il soit redécouvert il y a quelques années. Alors, bien entendu, je ne pense pas que Macron connaissait tout ça, mais c'est pour vous dire que l'itinéraire même de Ricoeur, évidemment, pose problème, parce que Ricoeur revient, il explique qu'il a découvert et traitant principalement en captivité, que ça a été le livre choc pour lui, et c'est lui qui va être vraiment l'introducteur de Arendt en France, puisqu'il va préfacer Conditions de l'homme moderne en disant que c'est le grand livre politique. Hein. Donc, si vous voulez, bon, c'est un autre problème, évidemment, que Ricoeur, mais là aussi, les références que nous avons donc en France, de l'extrême gauche à la gauche qui n'en est plus une, sont des choses qui doivent être interrogées. Hein. Quel repère se donner aujourd'hui? Donc voilà, j'ai voulu prendre des exemples. Je suis peu coutumier du fait, je ne suis pas théoricien politique, je n'ai pas de position politique très affirmée, je suis un philosophe et chercheur, mais je m'interroge toujours sur les références philosophiques que se donnent les politiques, parce qu'à un certain moment, on en trouve forcément des traductions. Alors, il me semble donc qu'il est important d'avoir une nouvelle recherche critique. En 2005, j'avais publié donc ce livre qui est traduit chez Acal parce que j'avais eu accès à 2 séminaires inédits qui nous montraient un Heidegger qui enseignait à ses étudiants comment former une nouvelle noblesse politique, disait-il. Et il discutait explicitement le concept du politique de Schmitt, en le considérant comme non pas principiel, comme le croyait Schmitt, mais dérivé. Pour Heidegger, le concept fondamental du politique, c'est l'affirmation de soi du peuple historique, Selbstbehauptung, hein, des Volkes. Et donc, il y a vraiment une théorisation du politique chez Heidegger, qui ne récuse pas Schmitt, mais qui se prétend plus fondamental, plus originaire que la discrimination. Donc, au fond, Schmitt part de la polarisation avec l'ennemi, Heidegger part de l'affirmation de soi du peuple. Finalement, ça revient au même. Au même parce que, en 2001, paraît dans l'œuvre intégrale en allemand un terrible cours de 1933-34, L'essence de la vérité, dans laquelle, au milieu de ce cours, Heidegger, dans un long passage que j'ai traduit, je ne sais pas si le cours est traduit maintenant en espagnol. En France, je n'arrive pas non plus à le faire traduire depuis 12 ans. Eh bien, Heidegger dit à ses étudiants que pour que le Dasein ne soit pas hébété, il faut identifier l'ennemi incrusté dans la racine la plus intime du peuple. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le juif assimilé, l'opposant marxiste, l'opposant politique, afin de préparer l'assaut et de se donner pour but sur le long terme das Folgenvernichtung, c'est-à-dire l'annihilation, l'extermination totale de l'ennemi intérieur. Donc là, il y a quelque chose qui nous montre que cette polarisation contre l'ennemi, chez Heidegger, est une polarisation exterminatrice. Au fond, Heidegger, d'un côté, se dit plus originaire que Schmitt, de l'autre, il dit encore plus clairement que Schmitt à quoi conduit cette discrimination ami-ennemi. Donc, ce n'est pas seulement la guerre, au sens d'une opposition entre deux États, c'est
vraiment identifier l'ennemi intérieur. Bon, vous voyez. Alors, ce thème de la Vernichtung, quand je l'ai publié en 2005, n'a pas fait débat parce que c'était tellement hors de la vision qu'on avait alors de Heidegger que ça n'accédait pas au niveau du débat, vous voyez. Les choses ont changé depuis 2014 parce que dans les cahiers noirs, on trouve la réapparition de ce concept de Vernichtung au moment le plus grave, en 41 et en 42. Alors en 41, dans le tome 3 des cahiers noirs, c'est-à-dire le volume 96 de l'œuvre intégrale, Heidegger affirme que l'acte le plus haut de la politique, c'est de forcer l'ennemi, l'adversaire, à participer à sa propre auto-extermination, Selbstvernichtung. Et c'est au moment où déjà avait eu lieu le plan Nisko, le plan de déportation des Juifs dans des régions insalubres, où ils étaient amenés à mourir parce que les puits étaient infestés de typhus. C'est ce que, dans le film de Lanzmann, Le dernier des injustes, Murmelstein, qui était à la tête du conseil du camp de Theresienstadt, appelle la Selbstdeportierung. On faisait croire que c'était les Juifs eux-mêmes allemands qui acceptaient d'émigrer vers ces territoires insalubres. C'était une autodéportation. Theresienstadt aussi, c'était l'exemple même de cette politique mise en œuvre où on oblige les conseils juifs, les Judenräte, à dresser eux-mêmes les listes de ceux qui restent, de ceux qui partent. On les oblige à contribuer à leur propre destruction. Et c'est ça l'acte le plus haut de la politique. On ne peut pas dire ça en 1941 sans, quelque part, accepter le pire. Alors l'année suivante, en 1942, les choses changent parce qu'il y a Stalingrad. Tous les Allemands conscients savent que la guerre est perdue, même si ça mettra encore 2-3 ans. Et là, Heidegger ne revendique plus positivement cette politique. Mais il affirme que l'élément juif, dit-il, est le summum de l'auto-extermination dans l'histoire, de la Selbstvernichtung. Donc il met sur le compte des Juifs eux-mêmes cette auto-extermination. Pourquoi ? Parce qu'il le dit dans d'autres passages des cahiers noirs, les Juifs, c'est dans sa mythologie la raison calculante qui rend possible la technique, la manigance, la Machenschaft. Et donc, au fond, c'est cette technique qui, inversement, conduit à la destruction des Juifs dans les camps d'extermination. Et les Juifs sont aussi ceux, selon lui, qui vivent depuis plus longtemps, dit-il, selon le principe de la race, ce pourquoi ils s'opposent à son application aujourd'hui. Donc, au fond, ils ont le retour de ce qu'ils ont eux-mêmes créé. Comme si, je ne suis pas un spécialiste de la pensée juive, mais la thématique de l'élection du peuple dans le judaïsme n'est pas une thématique folkish au sens des nazis. Il n'y a absolument pas, justement, de visée exterminatrice dans l'éthique juive. Donc, vous voyez, donc, Heidegger met sur le compte des juifs la responsabilité de leur anéantissement. Donc on est aujourd'hui dans une situation très dure, et ce qui m'a frappé, c'est que depuis un an, s'est constituée en France une mission ministérielle pour la recherche et l'enseignement sur les génocides, les crimes de masse et les violences extrêmes. Et nous avons été 3 philosophes qui avons été convoqués pour une audition dans une session consacrée aux philosophes dans leur rapport au national-socialisme. Donc un thème que j'essaye de montrer comme un thème de recherche depuis une douzaine d'années, et qui là, pour la première fois, est officiellement reconnu. Et la question se pose de savoir si, justement, c'est ce que j'ai posé comme question, ce n'est pas moi de donner les réponses ni les préconisations, mais ces énoncés heideggeriens, est-ce qu'il ne faut pas les inscrire aujourd'hui dans le champ de ce que les Américains appellent les « genocide studies » ? C'est-à-dire que les historiens comme Cesarani étudient la formation d'un génocidaire chez Eichmann, mais que se passe-t-il lorsqu'il y a un discours de la Vernichtung dans le champ philosophique
ou dans le champ du droit, ou dans le champ des sciences politiques, ou même de la sociologie, hein, ou de la théologie. Hein. Donc, à chaque fois, il y a un travail à faire, vous voyez. Alors, je dirais aussi que je suis sensibilisé à ce problème parce que j'ai eu quelques expériences internationales, comme par exemple à Moscou, où en 2015, nous avons eu un colloque sur les cahiers noirs. Et j'ai vu qu'à Moscou, dans les universités philosophiques, Lomonosov, il n'est plus question de Marx. C'est vraiment Heidegger, hein, la référence. Alors, officiellement, bon, c'est Heidegger. Et mon interlocuteur, un jeune heideggerien, discutait avec ses étudiants, tranquillement, ce qui a absolument consterné une de nos collègues allemandes, parce que c'est impensable en Allemagne quand même, de la pertinence aujourd'hui du Führerprinzip, du principe du Führer. Et dans une discussion très dure que l'on a eue, il m'a dit, mais au fond, parce que oui, dans les cahiers noirs, Heidegger distingue deux nazismes. Il y a le nazisme vulgaire, qu'il dit trop petit bourgeois, pas assez barbare, qu'il moque en disant c'est un rational socialisme, donc trop rationnel. Et puis, il y a le national-socialisme spirituel, celui de l'Allemagne secrète, celui qui serait à la hauteur du principe barbare, etc. Et mon interlocuteur me disait, mais le national-socialisme spirituel n'a jamais tué personne, disait-il. Donc, ça reste une option valable pour la pensée. Bon, je ne souscris pas à cette position, mais vous voyez, il y a un discours qui n'est pas aujourd'hui pensable dans le champ académique français ou allemand, mais qu'il est parfaitement à Moscou. Et derrière ça, vous avez la figure de Dugin, Alexander Dugin, cet eurasiste qui milite pour une troisième Rome et qui, dans un entretien avec un politologue américain, dit explicitement « Toute la pensée de Heidegger se résume à une phrase « Das Dasein existiert völkisch ». Le Dasein existe de manière völkisch, c'est-à-dire populaire raciste, folkisch, c'est un terme à connotation antisémite et raciale indiscutable dans le discours allemand. Et Dugin a écrit 7 livres en russe sur Heidegger. Le plus important a été traduit en américain dans une maison d'édition de suprémacistes blancs américains qui militent en disant que Heidegger est le meilleur appui théorique pour théoriser la suprématie de la race blanche. Donc vous voyez, il y a des choses très lourdes qui, dans un pays comme la France, où il y a la loi Guesso, où il y a quand même une restriction du débat public lorsqu'il devient clairement négationniste ou raciste, ce n'est pas pensable. Mais dans d'autres pays où il y a ce libéralisme de la parole publique aux États-Unis, hein, peut-être très bien, mais qui pose quand même des problèmes, parce que ça permet même à un président parfois de dire des choses qui ne seraient pas pensables dans le débat public français. Et puis dans les universités russes, où quand nous sommes étonnés d'une discussion sur la valeur du Führerprinzip, on nous a répliqué, en Russie, on peut tout dire. Hein, et on peut les comprendre après la chape de plomb qu'ils ont subie, mais vous voyez que là, il n'y a plus de ligne de frontière, si vous voulez. Hein. Il n'y a plus de frontière. Donc, voilà les questions que je voulais poser. Alors du coup, évidemment, j'ai utilisé un peu plus de la moitié de mon temps. Donc, la conférence même que je voulais prononcer, je vais l'écourter, je ne la prononcerai qu'en partie. J'ai voulu, si vous voulez, à l'origine, puisque nous sommes ici proches des camps de Rivesaltes, etc., de cette mémoire d'un système concentrationnaire, je voulais me concentrer sur le problème de cette littérature postmoderne, avec Agamben et d'autres, qui prennent le camp comme paradigme de nos sociétés techniques modernes, ce qui est quelque chose qui vient très explicitement de Arendt et aussi en partie de Heidegger. Donc c'est leur conception de la modernité, le rôle qu'ils ont fait jouer à ce paradigme du camp que je voulais interroger et que je vais en partie défricher avec vous. Comme exemple de problème que cela pose, là, on peut dire des choses vraiment précises et qui ne sont pas toujours complètement dites.
Alors, Heidegger est souvent crédité hein, d'être un critique de la technique, un penseur de la technique. On le crédite d'avoir proposé après 1945 une relecture de ce qu'il nomme alors le nihilisme européen et mondial et une réinterprétation de la technique moderne, notamment dans ses conférences à Brême en 1949, qui portent sur ce qu'il nomme le dispositif Gestell planétaire, qui serait selon lui né de l'affirmation de soi, du sujet moderne, et qui serait responsable de la dévastation de la Terre. Cette critique de la technique, les recherches philologiques récentes montrent qu'elle n'est pas encore présente dans ces textes des années 30, en tout cas pas dans les termes d'après 1945, mais il va réécrire certains de ces textes, notamment une conférence de 1938, pour faire croire qu'il était déjà dans cette critique et pour laisser entendre que cette critique aurait été en même temps une critique du national-socialisme. Donc il fait en quelque sorte coup double. Heidegger, le comeback heideggerien après 1945, c'est vraiment cette critique de la modernité technique qui se présente en même temps comme une distanciation à l'égard du national-socialisme dès le milieu des années 30. C'est quelque chose qui est largement recomposé. Je donne entre mille un exemple de réécriture qui est bien connu. C'est que quand Heidegger publie après la guerre son cours de 1936 sur Schelling, il supprime une phrase clé dans laquelle il affirme que Mussolini et Hitler ont apporté des contre-mouvements au nihilisme européen. Hein? Gegenbewegung. Donc il y a cet éloge en 1936 de Mussolini et Hitler, il n'est pas du tout à l'époque dans la critique. Hein? Donc sa critique du nihilisme n'est certainement pas à l'époque une critique du nazisme. Alors, cette interprétation stratégique est en même temps désavouée par Heidegger lui-même qui, lorsqu'il publie en 1953 de manière inchangée son éloge de ce qu'il appelle la vérité interne et la grandeur du mouvement nazi, le glosse par une note ajoutée, une parenthèse ajoutée, où il dit, c'est-à-dire la rencontre de l'homme déterminé planétairement et de la technique. Et dans l'entretien posthume donné au Spiegel, paru en 1976, j'avoue que c'est cet entretien qui m'avait ouvert les yeux sur Heidegger à ce moment-là, il explique que les nazis étaient allés dans la direction d'une relation suffisante de l'homme moderne à la technique. Donc en fait, les nazis sont crédités d'avoir été porteur de la solution. Alors, quelle est cette relation suffisante de l'homme à la technique ? Eh bien, si on se rapporte à un cours de 40 sur Nietzsche, il y a une conclusion qui supprime quand il le réédite, où il explique que la motorisation de la Wehrmacht au moment de l'invasion de la France est un acte métaphysique, plus important que la suppression de la philosophie de l'enseignement. L'autre visage de la technique nazie, c'est évidemment les chambres à gaz. Et là, dans la conférence de Brême, quand Heidegger évoque les camps d'extermination et les chambres à gaz, c'est quelque chose de troublant parce qu'il ne cite ni les nazis ni les victimes. Il les présente comme un processus technique, mais bon, il faudrait vraiment détailler tous ces textes pour voir ce qu'il dit exactement. Alors, dans les conférences de Brême, c'est pris comme une critique. Il affirme que ce qu'il nomme alors, je cite, « la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz et les camps d'extermination ne représenterait que l'une des manifestations du dispositif technique, au même titre, dit-il, que l'agriculture motorisée, ce qui a conduit à toutes sortes de développements, comme en France, on a beaucoup comparé les camps aux abattoirs, ce qui est évidemment plus que problématique, puisque faut-il rappeler que les nazis n'ont jamais procédé à quelque chose comme un élevage industriel de leurs victimes. La métaphore n'est pas bonne, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette comparaison laisse entendre en filigrane que la responsabilité de la Shoah, de l'Holocauste, de la destruction des Juifs d'Europe, ne repose pas sur une intentionnalité génocidaire, mais n'est qu'un aspect, qu'un effet de ce dispositif technique qui se serait emparé de l'humanité dans la modernité.
Donc, vous avez une négation de l'intentionnalité génocidaire du nazisme ici, qui évidemment contribue à une stratégie de disculpation. Alors, longtemps, si vous voulez, la position qui a prévalu chez les postmodernes était celle qu'exprimait Philippe Lacoula-Barthes, ce mythe d'un silence de Heidegger. Lacoula-Barthes affirmait, dans la fiction du politique, que la faute irréparable de Heidegger n'était pas dans les proclamations des années 30, mais dans le silence sur l'extermination. En réalité, on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de silence, puisqu'il y a au contraire un discours revendiquant positivement comme un but la Vernichtung, ou exaltant comme geste politique l'imposition d'une Selbst, d'une auto-extermination. Alors, qu'en est-il de Hannah Arendt? Où situer Arendt dans ce contexte? Donc, je reviens ici à Arendt dans le dernier quart d'heure qui met, ou les dernières 10 minutes. 10 minutes. Donc 10 minutes pour revenir maintenant sur Arendt, mais il fallait vous donner la gravité du problème Heidegger et Schmitt, qui est l'arrière-fond. Alors, évidemment, Arendt ne connaît pas ces écrits de Heidegger qui sont connus depuis le début, depuis une quinzaine d'années ou depuis 3 ans pour les Cahiers Noirs. Mais elle n'ignore rien de la rumeur qui le faisait passer pour ce qu'elle appelle un antisémite enragé dans une lettre de 32 où elle lui demande des comptes. Et surtout, elle n'a pas scié quand Heidegger, en 53, a prononcé son éloge de la vérité interne et de la grandeur du nazisme. Un éloge que Arendt, finalement, passe par perte et profit dans son discours de 69, où elle érige Heidegger en roi secret de la pensée, et fait même dans un texte connexe du penser heideggerien le paradigme même du penser. Elle écrit que l'œuvre et la vie de Heidegger nous ont appris ce qu'est penser. Au point, dit-elle, que ses écrits demeureront à cet égard paradigmatiques. Donc Heidegger devient exemplairement le penseur, et dans son Eichmann, au fond, on la voit en symétrie présenter la figure de l'exécutant de la solution finale comme Eichmann, comme dépourvue de pensée, sans pensée. C'est le sens qu'elle donne au mot banalité. Donc elle crée cette tension dissymétrique, cette bipolarité, ce que j'ai appelé cette dispositif bipolaire, entre le penseur, Heidegger, et l'exécutant dépourvu de pensée, Eichmann. Ce qui est une manière, évidemment, de disculper radicalement Heidegger. Alors, qu'en est-il maintenant du problème des camps? J'ai longtemps pensé que Arendt, très souvent, on remarque, les commentateurs remarquent qu'elle ne différencie pas les camps d'extermination et les camps de concentration. Et j'ai longtemps pensé que c'était l'effet de la méconnaissance de l'époque. Il a fallu, dans le public, du temps pour que ces distinctions deviennent nettes. Mais il y a quelque chose qui est quand même très troublant, c'est qu'en 1946, paraît à New York un livre majeur, The Jewish Book, The Black Book, qui est fait par des comités juifs à la fois, c'est une collaboration précaire, russes, américains, israéliens, qui comporte des centaines de pages de témoignages précis, dont un chapitre de 150 pages qui s'intitule Annihilation, et qui décrit très précisément ce qui s'est passé à Birkenau, à Treblinka, à Sobibor. On a vraiment tous les éléments pour une différenciation explicite entre Vernichtungslagern, camp d'extermination, et camp de concentration. Les deux sont tout à fait distingués. Or, Arendt, non seulement elle a lu ce livre, mais elle en fait un compte-rendu sous le titre « L'image de l'enfer », et son compte-rendu est absolument négatif. Elle reproche à ses auteurs d'utiliser des faits historiques à des fins politiques, et elle ne dit mot de ces distinctions entre camp d'extermination et concentration. Bien au contraire, elle déploie une thèse qui sera la plus problématique, celle d'une sorte de réversibilité, d'interchangeabilité entre les bourreaux et les victimes. Les victimes d'un jour peuvent devenir les bourreaux du lendemain.
Alors, cette thèse qui peut être débattue à propos de la question des capots dans les camps de concentration n'a évidemment pas de sens dans les camps d'extermination, où les victimes n'ont pas le temps de devenir quoi que ce soit d'autre que des êtres détruits. Hein. Et les quelques-uns qui sont provisoirement maintenus en vie dans les, pour s'occuper des cadavres, eux-mêmes sont des morts en sursis. Hein. Tout cela est très bien décrit dans le Jewish Book. Rien n'en ressort hein, dans son propos. Alors, Arendt va construire, à partir des origines du totalitarisme et dans plusieurs textes, sa vision des camps comme laboratoire de la modernité, comme paradigme de la modernité, comme lieu où règne une réversibilité bourreau et victime. Donc c'est évidemment cela qui est extrêmement problématique. Alors je vais aller un petit peu plus loin et juste indiquer un point mal connu, mais qui serait un élément majeur de ma démonstration. C'est que Arendt utilise l'expression justement fabrication de cadavres dans les origines du totalitarisme, paru en 51, 2 ans après les conférences de Brême. Donc en général, on se demande comment est-ce qu'Arendt a pu connaître ces conférences qui étaient inédites. Heidegger les lui a-t-elle donné à lire? En réalité, le problème est inverse. C'est-à-dire qu'on oublie qu'en 48, Arendt publie un petit livre en Allemagne qu'elle n'a jamais voulu rééditer, Sex et 16, et dans la courte préface à Karl Jaspers, elle emploie pour la première fois cette expression même de fabrication de cadavres. Donc c'est au contraire Heidegger qui, lisant cette expression, va la reprendre un an plus tard hein, et va la récupérer à sa façon. Donc le rapport ici s'inverse. Or, ce texte à Jaspers est très troublant parce qu'elle nous parle de ce qu'elle appelle Auschwitz. Hein, et elle en parle, dit-elle, comme d'un déluge. C'est-à-dire qu'elle écrit que l'hostilité réglée par des lois, il faut entendre ici les lois de Nuremberg, les lois raciales de Nuremberg, relevait encore, dit-elle, de l'hostilité aussi banale que connue. Elle emploie déjà le mot banal. Est-ce que les lois de Nuremberg sont banales? Je lui laisse la responsabilité de cet jugement. Elle continue qu'avec les chambres à gaz, avec ce qu'elle nomme Auschwitz, je la cite, la fabrication de cadavres n'a plus rien à voir avec l'hostilité. Il s'agit, selon elle, d'un événement radicalement irrationnel, abyssal, qui dépasse nos catégories politiques. Elle n'hésite pas alors à comparer Auschwitz au déluge s'abattant sur Noé et son arche, un déluge qui, dit-elle, peut encore s'abattre sur nous chaque jour. Hein, donc on a ici un phénomène irrationnel, sans intentionnalité, comparable à un phénomène naturel, voire à une catastrophe théologique. Hein, il y a cette sorte d'ambivalence. Et elle explique que si on s'en tient au terrain des faits, elle préconise qu'il faut quitter le terrain des faits pour parler d'Auschwitz, si l'on persiste à considérer que les chambres à gaz donc, traduisent une intention hostile, on dirait aujourd'hui génocidaire, des nationaux-socialistes allemands à l'égard du peuple juif, nous serions incités, dit-elle, je la cite, à perpétuer l'anéantissement de la même façon que les nazis fabriquaient des cadavres à Auschwitz. Et elle place la haine du côté des Juifs. Il y a donc une sorte de renversement. Elle nous dit au fond, si nous restons sur le plan de l'histoire, nous allons faire pour les nazis ce que les nazis ont fait pour les Juifs. Il faut donc prendre ses distances, considérer Auschwitz comme un déluge, comme un phénomène irrationnel. Et c'est une manière de créer une nouvelle forme de mythe que je pense qu'il faut aujourd'hui interroger. Parce que, je vais peut-être conclure là-dessus, je pense que Heidegger a récupéré justement ce propos arendtien à sa manière. Je ne dis pas que les deux disent la même chose, je dis qu'il a repris, utilisé cette introduction de Arendt à Jaspers. Dans ses conférences sur le dispositif, il propose une forme de réponse à cette préface d'Arendt à Jaspers parue un an auparavant. Il se sert de cette dilution arendtienne des responsabilités nazies, puisque assimiler Auschwitz à un déluge, c'est présenter la destruction des Juifs d'Europe, non pas comme ce qu'elle fut, c'est-à-dire un programme intentionnel d'extermination de tout un peuple, mais comme un événement sans raison, constituerait quelque part entre cataclysme naturel et châtiment divin. Et donc Heidegger tire parti de ces énoncés pour évoquer à son tour les chambres à gaz et les camps d'extermination, sans plus nommer les victimes juives ni les nazis,
comme une manifestation parmi d'autres du dispositif de la technique moderne. Donc voilà, si vous voulez, deux visions qui très curieusement s'articulent l'une à l'autre de la modernité et du nazisme, qui vont décrire le nazisme comme un processus fonctionnel sans intentionnalité, hein, alors même que nous découvrons aujourd'hui dans les textes heideggeriens qu'il y a une intentionnalité revendiquée par lui et que cette intentionnalité est déjà génocidaire. Hein, donc on ne peut plus dire ce que Arendt disait dans les origines du totalitarisme, à savoir que ce qu'elle appelait les élites intellectuelles qui avaient collaboré au nazisme, comme Schmitt qu'elle cite, elle ne donne pas le nom de Heidegger, mais elle pense à lui, n'avait, dit-elle, aucune responsabilité. Non seulement la responsabilité de Schmitt et de Heidegger sont écrasantes, ils siègent à l'Académie du droit allemand, ils préparent les lois de Nuremberg, il est légitime, mais ce sont eux qui, après 1945, font revivre cette pensée, si vous voulez, exterminatrice, dans la discrimination ami-ennemi, dans la réactivation très habile par Heidegger du paradigme folkisch, qui aujourd'hui est revendiqué par des auteurs comme Dugin. Donc voilà à peu près où nous en sommes, et voilà pourquoi je pense qu'il faut un débat critique sur l'usage qui est fait de ces auteurs dans le champ philosophique postmoderne. Voilà ces questions que je soumets à votre débat. Donc Arendt, je ne la mets pas du tout sur le même plan que Heidegger, mais elle a participé à cette légitimation d'une image de la modernité qui est problématique. Et dernier point, je montre dans mon livre, donc Arendt et Heidegger, que son retour vers Heidegger après 1945 n'est pas, comme on le dit en général, lié à une passion amoureuse seulement, parce qu'elle retrouve Heidegger en février, le 6 février 1951, dans un hôtel de Fribourg. Mais 6 mois avant, dans des lettres inédites que j'ai trouvées à son ami Dolph Sternberger, elle exprime sa fascination pour la violence avec laquelle Heidegger a dynamité la pensée occidentale. Donc il y a vraiment une adhésion intellectuelle à cette violence heideggerienne. Alors jusqu'où est-elle allée? Toute la question est là. Hein, c'est une question que je laisse ouverte. Mais il faut prendre Arendt au sérieux. Je pense qu'il y a quelque chose de misogyne à dire que l'heideggerianisme d'Arendt est dû uniquement à un affect amoureux. Il y a vraiment, dans sa construction intellectuelle, dans son revirement de la fin des années 40, quelque chose qui est de l'ordre d'une adhésion intellectuelle revendiquée. Voilà pourquoi la trajectoire d'Arendt, vous voyez, est passionnante aujourd'hui. C'est une clé pour comprendre nos problèmes. Nous sommes dans des démocraties, certes. Parfois, il y a un décalage évident entre le discours et la réalité. Et doit-on, pour ressourcer nos démocraties, aller chercher des arguments et un potentiel révolutionnaire chez des auteurs nazis? Telle est la question. Merci. Merci beaucoup. Moltes gràcies, professor Emmanuel Faye. Ara tenim 5 minuts per fer alguna qüestió, fer alguna pregunta, perquè la conferència s'ha allargat una mica més. Llavors farem una pausa de 10 minuts i tornarem després amb un debat entre Enzo Traverso, Emmanuel Faye i Maxi Fuentes. Si hi ha alguna qüestió, podem aprofitar aquests 5-7 minuts. No sé si hi ha alguna pregunta, algun dubte. Sí. No? Hola. Sí? Hola? Sí. Ara. Amb el plantejament que vostè ha fet, d'alguna manera no es corre el perill de traslladar precisament la dialèctica amic-enemic a la comprensió de les obres filosòfiques en el sentit no d'extermini, però sinó en el sentit de polititzar massa la comprensió de la filosofia de tal manera de fer dos conjunts dels que són purs amics o els que estan a favor de la revolució, els que estan a favor de les esquerres i els que no ho estan. I no ho dic tant en el sentit de Heidegger, sinó d'Arendt, que a lo millor precisament amb el moviment que ella fa, igual que Benjamin, igual que Taubes, igual que altres intel·lectuals d'esquerra, de buscar connexions o
o Derrida mateix, de buscar inspiració o de buscar la renovació del pensament d'esquerres a través de categories de pensadors de dreta, a lo millor precisament el que estan és trencant aquesta dialèctica amic i enemic. I en aquest sentit sortirien d'aquesta manera del pitjor que té aquest pensament de dret és conservador, que és precisament doncs, aquesta bipolaritat. Oui, c'est une observation subtile que vous faites, je vous remercie. En fait, je peux dire deux choses brièvement. Tout d'abord, comme j'ai tenté de le dire, je ne pense franchement pas que Arendt soit une intellectuelle de gauche, et elle l'a toujours refusé de l'être. Dans le cas de Taubos, on peut aussi s'interroger quand on lit la proximité de Taubos avec Armin Mohler. Est-ce que vraiment Taubos, bien sûr, il enseigne à la Freie Universität, qui est à Berlin une institution de gauche, mais je veux dire, jusqu'où effectivement va l'amitié? Être ami de Armin Mohler, se tutoyer, correspondre. Bon, Mohler a quand même la responsabilité d'avoir reconstruit l'extrême droite européenne. Donc c'est quelque chose qui pose problème. Maintenant, sur le fond de l'argument, est-ce qu'une gauche qui prendrait des arguments chez des auteurs, non pas simplement de droite, mais nazis, nationaux-socialistes, Schmitt et Arendt ne sont pas des révolutionnaires conservateurs, ce sont vraiment des nationaux-socialistes. Hein, les textes de Schmitt ou d'Arendt, ou de Heidegger sur le Führer sont... Le Führer protège le droit. Qu'est-ce que c'est que ce droit chez Schmitt, etc. Ça ne brise pas du tout l'opposition, la bipolarité ami-ennemi, parce que l'ennemi, c'est le libéral. Hein, l'ennemi, c'est le libéral. Et là, ça devient un terrible piège. Parce que quand Schmitt ou Heidegger dans ses cours, s'attaque au libéral dans les années 20, qu'est-ce que le libéral pour lui ? C'est avant tout eh bien, ce qu'il appelle la pensée individualiste, celle qui croit qu'il y a une autonomie de pensée de l'individu, Descartes essentiellement. C'est la pensée juive, les intellectuels juifs. Hein. C'est toute pensée démocratique, égalitaire, etc. Ça n'a pas encore le sens que prend aujourd'hui, notamment en France, le mot libéral, qui, vous le savez, n'a pas du tout le même sens qu'aux États-Unis. En France, un libéral aujourd'hui, c'est un partisan de Hayek ou de Friedman, c'est un homme de droite ou de centre-droit, qui, s'il est encore à gauche, n'est plus que de nom, qui croit à la vertu régulatrice du marché et à la dérégulation la plus grande possible du rôle de l'État. Donc c'est la destruction de la social-démocratie au profit d'un capitalisme plus ou moins dur. Hein. Donc de ce fait, on a, je crois, l'illusion que ces auteurs qui critiquaient le libéralisme, les libéraux, dans un sens avant tout, intellectuel et racial, serait une ressource aujourd'hui pour une critique du capitalisme. Mais je veux dire, la bipolarité est radicale chez eux, hein, parce que précisément cet adversaire, le libéral, est à détruire. Donc moi, je ne me revendique pas du tout du mot libéral, étant donné ce qu'il est devenu, hein, mais vous voyez le piège. Et du coup, la gauche ne dispose plus de langage propre. On ne peut pas, on le peut encore aux États-Unis, on ne peut pas en Europe s'appuyer sur le mot libéral, parce qu'on verse dans une dérégulation de tout ce qui protège les acquis sociaux, etc. Le droit du travail qui est démantelé, c'est le problème d'aujourd'hui en France. Quel discours adopter ? Alors Arendt a vraiment en tête le paradigme schmittien. Hein, par exemple, dans ses écrits juifs qui ont été recueillis, réunis, on la voit critiquer tantôt les juifs de l'assimilation, tantôt les juifs sionistes, et chaque fois comme ne sachant pas suffisamment distinguer l'ennemi, ne sachant pas penser la distinction ami-ennemi.
Donc elle utilise le paradigme schmittien pour s'en prendre aux deux figures du juif européen de son temps, le juif assimilé, le juif de tendance sioniste. Bé, si us sembla, hi ha una qüestió? La darrera, perquè és que anem molt justos de temps. Bueno, nada. Hola, Olga Glondes. Simplemente una breve pregunta. Me extraña un poco esa imagen de los ataques de Hannah Arendt a los judíos. Sinceramente, desconocía esa faceta de Hannah Arendt. En concreto, un texto, 1943, que ella escribe, Nosotros los refugiados, donde ella pues, ubica al judío como no solo parte de lo que es su mundo, sino como el elemento más vulnerable de la cultura europea, que está siendo exterminado. Y a propósito de eso, también habla del tema de los campos de concentración, efectivamente franceses, pero como un paso necesario para los otros campos, los que son los campos de exterminio. O sea, no tanto creo como una manera de mezclarlo todo, sino sí de intentar mostrar posibilidades, es decir, no banalizar los campos de exterminio, sino ubicarlos en su contexto histórico y político del momento, ¿no? Si pudiera comentar sobre este tema. Gracias. Oui, merci de votre remarque qui est très importante parce que, comme j'ai tenté de le dire mais trop vite, il faut vraiment situer Arendt dans sa trajectoire. Et je pense que dans les années 1936-1945, Arendt développe des positions critiques intéressantes et valables. Hein, c'est ce que je soutiens dans mon livre. Donc sa critique de l'antisémitisme en 1939 est importante, mais elle ne la publie pas. Ces textes que vous citez de 1943, les textes sur le paria, les textes sur les... Alors, il y a toute la question, effectivement, des apatrides et du rapport au droit. Ça, on pourra en parler, je dirai un mot. Donc, c'est vraiment la période où Arendt a une forme de lucidité critique qui continue à faire qu'elle mérite d'être lue avec beaucoup d'attention. Le problème, c'est qu'il y a un basculement à la fin des années 40. Et là, elle va dans une direction bien différente. Hein. L'évolution. Donc, c'est ça qui est problématique. Alors, sur la question, par exemple, des sans-droits, des apatrides, il y a un grand débat aujourd'hui sur le rapport de Arendt aux droits de l'homme. Ce qui se passe, c'est que je pense que Arendt a mis, évidemment, le doigt avec beaucoup de pertinence sur un problème clé de son temps qui redevient un problème aujourd'hui, qui est celui des apatrides, ce qu'on dit aujourd'hui sans papier, migrants. Enfin, c'est une autre configuration, tout autre que celle qu'elle indiquait. Mais là où cela fait problème, c'est que la solution qu'elle proposera consistera à tourner le dos aux droits de l'homme tels qu'ils sont constitués et à ne retenir que la formule du droit à avoir des droits, un droit qui ne se constitue que dans une communauté politique déterminée. Donc il n'y a plus de droit naturel et par exemple elle fait complètement silence sur les acquis fondamentaux notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui pour la première fois inscrivent dans le droit international l'impossibilité pour un État de créer des apatrides, de déchoir de leur nationalité leurs concitoyens. Et en 1951, la Convention de Genève fait qu'un très grand nombre de démocraties souscrivent à cette déclaration universelle. Et c'est ça qui a empêché la France de Hollande, très concrètement, à faire passer certaines mesures qui auraient créé des apatrides. Hein, donc c'est l'avancée du droit international qui est quand même, je pense, un garde-fou essentiel empêchant les politiques de franchir un pas qu'ils pouvaient franchir dans les années 30. Et ce progrès du droit fondée sur une notion du droit naturel, n'est pas du tout quelque chose que soutient Arendt. Donc je pense que Arendt a mis le doigt sur des difficultés centrales de notre époque. Je ne suis pas sûr qu'elle propose les bons remèdes, vous voyez.
Donc il y a les deux choses que je dirais. La période que vous indiquez est la période la plus intéressante d'Arendt, celle où elle n'a pas été encore, elle n'a pas été reprise par la stratégie heideggerienne d'après-guerre, elle n'a pas encore lu la lettre sur l'humanisme, elle n'a pas, s'est pas mise à penser l'Heimatlosigkeit comme le pense Heidegger, l'absence de patrie, etc. Et puis l'autre question est de savoir, est-ce qu'on peut refonder politiquement les droits de l'homme sur le droit à avoir des droits? Je dirais non, parce que on perd cette avancée du droit international qui est le point capital aujourd'hui et qui n'est pas du tout dans la théorisation d'Arendt. Cet horizon du droit n'est pas du tout cela. Bé, ho hem de deixar aquí perquè anem molt, molt malament de temps, perquè després de 1:15 hi ha una concentració d'estudiants i això ens obligarà a aturar el col·loqui. Ara el que farem és un descans de 10 minuts. Podeu prendre, aquí hi ha el bar, aquí a la Facultat de Lletres, hi ha un cafè. Mana? No tenim. Hi ha un cafè aquí al costat. I reprenem d'aquí 10 minuts, si us sembla, la sessió del matí, perquè volem fer, com he dit abans, aquest debat i llavors farem una breu presentació d'un llibre de Maripaz Valibrea que s'està a punt de publicar sobre últimes tendències historiogràfiques al voltant de l'exili republicà. Moltes gràcies.